Je ne suis pas Abbé Pierre. Et la dame qui est là n'est pas, comment on appelle, Mère Teresa. On n'a pas à faire la morale à l'étudiant. Et on n'a pas à l'éduquer. Et on n'a pas à l'orienter. Et on n'a pas à le conseiller. On doit le tutorer. Quand on dit tuteur, ça veut dire qu'elle a une tendance pédagogique. Vous avez compris ce que je suis en train de dire. Beaucoup d'enseignants essayent d'être le papa des étudiants. Non, je ne suis pas le père des étudiants. L'enseignante essaie d'être la mère des étudiants. Non, je ne suis pas leur mère. Moi, je suis enseignant. Je donne mon cours. J'ai la conscience tranquille. Alors, la première chose à faire, c'est d'être professionnel dans le monde de l'enseignement. Je vous assure, ça fait 40 ans que je suis dans Zedonfi. Je vois maintenant, actuellement, à partir des années 90, les enseignants et les enseignantes se sont transformés en Sheikh Cheb Shemsou, celui qui parle dans le Nahar. Non, je suis enseignant, moi. Moi, je donne mon cours et je rentre chez moi. La seule condition, c'est que je donne mon cours sur le plan pédagogique, didactique. Voilà ce que l'université, le métier professionnel, disons, de l'enseignant, lui est demandé. En plus, je dois ouvrir mon esprit pour apprendre un peu de la psychologie. Pas pour faire de la psychologie, pour comprendre l'autre, comment il réfléchit, comment il pense. Sinon, si je ne connais pas l'autre, je ne peux communiquer. Alors, comment faire? Je suis un peu... Un expert, c'est les jeunes qui parlent, qui savent. Moi, je... Alors, les approches pédagogiques. Pour faire la différence entre la pédagogie et la didactique. Avant de rentrer dans les stratégies 2023. Ce ne sont que des méthodes et des stratégies qui sont utilisées par les enseignants pour aider les étudiants à apprendre. Ce sont des approches. Il faut oublier les approches cognitivistes ou ce qu'on appelle les anciennes pédagogies. Ça, on les fait au niveau des lycées. Nous sommes des professionnels. Nous avons des personnes majeures et vaccinées. Donc nos approches ne toucheront plus à la cognition ou la socioconstructivisme. Ça, c'est au niveau des lycées. Nous devons avoir l'approche par projet. Parce que nous sommes devant une massification. Après tant d'études sur la massification, qu'est-ce qu'ils se sont dit les grands pédagogues et les grands politiciens de l'éducation, des sciences, de l'économie d'éducation? Il faut minimiser le nombre d'étudiants au niveau des universités. Pas tout le monde qui peut rentrer à l'université. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le faire dans ce pays. On ne peut pas le faire et on ne peut pas le dire. C'est un acquis. Un acquis irréversible, sacré. Mais si on veut être une université qui peut frôler, nous sommes un continent, qui peut frôler juste une université d'un petit pays qui est la Tunisie avec tout le respect que je leur dois. Ils ont 30 années d'avance sur nous. Parce que personne n'a le droit, tout le monde ne peut pas faire l'université. Nous sommes dans la massification. En 2035, nous serons 2 300 000 étudiants. Avec les mêmes infrastructures. Je défie quiconque qui peut avoir une approche méthodologique, pédagogique, didactique pour enseigner. Alors avec l'approche par projet, l'approche autonome, l'approche par débat, c'est les trois stratégies qu'on peut utiliser avec nos étudiants pour pouvoir apprendre. Les méthodes didactiques.
Ce sont aussi des méthodes d'enseignement qui visent à aider les enseignants à enseigner de manière plus efficace et à améliorer l'apprentissage. Où est-ce qu'est la différence entre, parce qu'ils sont tellement imbriqués qu'on n'arrive pas à les dissocier. La pédagogie, c'est, ça concerne l'enseignant. Comment trouver les mots exacts, les concepts exacts, pour que cette assistance hétérogène puisse comprendre de la même manière. Voilà l'approche pédagogique. L'approche didactique, c'est quelles sont les techniques pour pouvoir aider nos étudiants à sortir du labyrinthe pour trouver la sortie. Je répète, en pédagogie, l'approche pédagogique, c'est quelle est ma stratégie en tant que professionnel de l'enseignement, trouver quels sont les mots dénominateur commun pour une zone, pour une assistance hétérogène, pour qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire. La méthode didactique, c'est quelle est la technique pour que mes étudiants hétérogènes sur le plan cognitif, conatif, social, économique, pour pouvoir trouver des sorties, pour essayer de sortir du labyrinthe de cette masse d'informations que j'ai données. Ils sont tellement imbriqués, mais ils sont différents. Parce que l'éducation, c'est un art. Celui qui n'arrive pas, c'est un artiste, l'éducation. L'éducation, ce n'est pas une science. Les deux béquilles font de l'éducation une science. La pédagogie et la didactique. Nous avons des génies qui étaient avec nous, ben, ils n'ont pas fait l'enseignement. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas affronter l'autre. Parce qu'il faut être un artiste. L'éducation, c'est de l'art. Mais avec les deux béquilles, la pédagogie et la didactique, l'enseignant peut transmettre, peut être plus artiste que l'autre. Et nous voyons beaucoup d'enseignants qui sont nos collègues, qui n'arrivent pas, mais on ne les voit pas pour le recrutement. Il y a des moments où le recrutement sont par affinité. Ah, ou Ben-Ammi, d'Akhlo Yikarri. Ça, il est génie, mais il ne peut pas enseigner. Malheureusement, on le fait dans notre pays, Al-Azistan. Les méthodes didactiques sont basées sur des principes scientifiques. Pour ne pas vous bourrer le crâne, nous allons vers les 23, directement ce que nous devons faire actuellement. Et la pédagogie est arrivée à définir ce que nous devons faire devant la massification. Est-ce qu'on peut ne pas permettre à l'étudiant de rentrer à l'université? Non. Est-ce qu'on peut diminuer le nombre? Non. Est-ce qu'on peut stopper ce ministère de l'Éducation nationale que nous ne connaissons pas alors qu'il fallait avoir un avis, un œil sur ce qui se passe au niveau des lycées? Nous n'avons pas le droit. On nous ramène des études avec un 9. Moi, je dirais pas un 9. Avec un étudiant qui est le coin, qui a un 15. Montrez-moi un enseignant génie qui peut arriver à trouver un point commun. Moi, je ne l'ai pas trouvé. En tous les cas, moi, je ne peux pas le faire. On peut les arrêter, on ne peut pas les arrêter. On peut leur dire non, personne ne peut dire non. Donc, dans la massification, on doit faire avec. Nous, on peut comprendre l'étudiant. L'étudiant aussi doit nous comprendre. On ne peut pas lui dire « Yaouldine, t'as fait choc » ou « Talibanik fil gharb ». On ne peut pas faire de vous deux grands étudiants. Je dois choisir l'un de vous. Heureusement qu'il y a l'évaluation. Sinon, ça va être la débandade dans l'université. Alors, je dois passer directement. Ce que je vais vous dire, on est dans la classe inversée. Hadi, c'est... Pardon. Nous devons faire la classe inversée.
La seule solution, c'est de faire de la classe inversée dans la massification. Devant la massification, on doit faire la classe inversée. On va le faire en 2024. 2024. Mais le schéma directeur numérique, il est demandé aux universités d'installer la classe inversée. La classe inversée, c'est une bonne chose, une solution. C'est en 2016. Mais elle a été faite et réfléchie pour les infirmières. Bon, ben, on peut la faire dans les universités algériennes, mais à condition, dans les universités où il y a les domaines de technique, informatique, électronique, électrotechnique, électromécanique, parce que l'étudiant, on lui montre ce qu'on appelle le pré-test, on lui montre les objets de manipulation, il se familiarise avec ces objets de manipulation, et puis il vient au cours, ou là au TP, l'enseignant est là à regarder, puisque l'enseignant aussi a réfléchi sur quelles sont les questions que peuvent poser mes étudiants. Mais une quinzaine, une vingtaine, pas 1000 étudiants. Mais la classe inversée, elle est réfléchie sur tous les domaines, chose qui n'est pas, à mon avis, chose qui n'est pas du tout raisonnable, surtout dans les domaines des sciences humaines et sociales. Même dans la littérature française, anglaise. Mais les modules techniques, les domaines techniques, oui, on peut faire la classe inversée. On donne, via l'enseignement hybride à distance ou en ligne, et puis l'étudiant vient. Moi, en tant qu'enseignant, je suis là, je suis à la maison, je dois réfléchir comment faire pour essayer de répondre à telle question. Il fait un recensement d'une centaine de questions. Une fois qu'il rentre, l'enseignant ne parle point. C'est à l'étudiant de parler. L'approche par dialogue, l'approche par projet, l'approche par discussion. On est d'accord ? Merci. Vous vous dites que je ne sais pas ce que je veux. Je n'arrive pas à enseigner, à transmettre l'information. La pédagogie à l'université. Voilà ce que, actuellement, ce qui nous est demandé, nous, enseignants. Enseignants algériens. Je vous assure, enseignants algériens. Ces choses-là sont connues par nos deux voisins. Le Sénégal est parti loin. Le Kenya est parti loin. L'Afrique du Sud, incomparable. Alors si on va outre-mer, on va avoir le visage rougi. Ce que font actuellement dans un petit pays que j'adore. Alors, je le sais quand je dis petit parce que nous, on est un continent. C'est tout. C'est pas par mépris ou là. Alors, voilà. Les enseignants, nous, on est appelés à améliorer nos méthodes d'enseignement, nos pratiques pédagogiques, afin de mieux servir l'étudiant. Il est roi. Sans lui, on n'est rien. On n'est pas là. Mais il faut, encore faudrait-il le booster. Quand je dis booster, ça veut dire le tutorer. Il faut enlever le mot, ce mot d'assistana, l'assister. On n'assiste pas. Parce que quelle est la finalité de l'enseignement supérieur? Une seule expression. La finalité de l'enseignement supérieur, c'est l'autonomisation de l'étudiant, le rendre autonome. Et quand on vit, nous vivons dans une société, nous sommes des Algériens, on vit dans une société. Quand vous voyez le jour de l'inscription, un parent ramène son garçon au Tindibab. C'est l'assistanat pur. Ah, mais il y a Arash Miskil, ah, Ousrien, ou le Matarash Miskil, mais tu ouvres Filia. Je me suis ouvert Filia. J'ai lu dans les livres d'histoire un certain Yassef Saadi, 15 ans, et le petit Omar Yassef, 15 ans, qui a fait la révolution. Hassib Boulay, 18 ans. Semir Bouhid Latoula Femara, 18 ans.
Je dis, il est jeune. Et moi, ce que je ne comprends pas, sur la société algérienne, les institutions militaires, 18 ans, on lui donne un Kalachnikov pour qu'il nous. Il est là pour voir, pour essayer de ne pas. Pour protéger le pays. 18 ans. Il est majeur et vacciné. Et 18 ans, là, on m'a dit, là, aux îles, le lycée d'Assistana. On dort en parallèle avec ce qu'on appelle maintenant le trabendisme, les criminels, ce que moi je dis les criminels, et je pèse mes mots. Et ce qu'on appelle les enseignements en parallèle. Les gens payent de l'argent, les cours, c'est cool, hein? Les cours de soutien, c'est un crime. Et c'est des criminels. Je le dis ou je le dis ou je l'assume. On va déjà à l'université, ils se retrouvent au milieu d'une pléthore d'étudiants. C'est pour ça qu'on trouve l'échec scolaire, l'échec à l'université en première et deuxième année, très élevé par rapport à troisième et quatrième et cinquième année. Parce qu'il est là, il est dans les vapes. Il s'y perd. Ou avec ce qu'on appelle, avec la numérisation des universités, on parle de numérisation des universités, Rabbi Yustra. Ou avec le débit à l'internet, Rabbi Yustra. Mais on fait avec. C'est comme en 2019. Le Covid, on s'est retrouvé numérisé. Comme ça, pas de miracle. Sans avoir ni aucune base. C'est la même chose l'enseignant, on souffre. Et il faut être terre à terre. La pédagogie, moi je vous donne 3-4 ouvrages, vous allez les lire, vous allez les apprendre, vous avez un background qui est le contenu, le problème est réglé. Mais la réalité, elle est là. Elle est là, la réalité. C'est une catastrophe. Elle est là, la réalité. Alors, nous devons inclure ce qui vient de dire les termes barbares de Ahmed. Moi, je les appelle les termes barbares. Parce que je suis vieux, je n'arrive pas à m'adapter. Quoique je suis parti de la CNEAD, je n'arrive pas à m'adapter. Je travaille, mais je n'arrive pas à m'adapter. Je suis vieux. C'est la jeunesse maintenant. C'est vous, les jeunes, les jeunes. Je suis vieillard. Mais les jeunes, à vous de nous montrer ce que vous valez concernant l'utilisation des technologies innovantes. Un gros mot. Pour des universités qui n'arrivent même pas à décoller. On est presque rien du tout partout dans le monde. On est presque rien du tout. Et on nous parle de décoller. 23. Je vous assure que c'est 23. C'est jongler. Pour faire, c'est pour améliorer les pratiques d'enseignement. Et pour une meilleure qualité, avec une meilleure visibilité. On parle de visibilité aussi. On parle de visibilité. Il y a un dossier de visibilité. Où est-ce qu'il est le vice-doyen de l'instructeur de la pédagogie? C'est lui qui est concerné par le dossier de visibilité. La visibilité, c'est un drame. C'est un drame. Nous avons 3 ou 4 universités qu'on entend parler. Dans les grandes instances, on entend parler. Ah oui, Bjeya, Blebes, on entend parler de ces universités. On entend parler. Juste on entend parler. Mennouba, l'université de Mennouba à Tunis, elle est classée. Est-ce que c'est de notre faute? C'est pas pour fuir. Est-ce que c'est de notre faute? C'est pas pour faire nos responsabilités. Je vous assure que 40 ans, je n'arrive pas à comprendre comment on fonctionne. Quand je dis « Wallah metemlouni », je pense que Dieu existe partout, sauf en Algérie, il n'y a que le Dieu argent. Quand je dis « Wallah metemlouni », mais qui me dit « Wallah metemlouni », parce que j'ai laissé mon père est décédé quelque part dans les montagnes, « Rahid dag mehboul, rahid dag ma afransa, khtlatou, c'est bon ». Quand je dis Rahmatouma, parce que c'est elle qui m'a élevé. Ou Rahmatouma, je n'arrive jusqu'à maintenant à comprendre comment fonctionne l'université.
Est-ce que c'est de notre faute? Non. Il y a la même mise du politique sur nos ambitions. L'ambition, c'est de voir nos étudiants maîtriser ne serait-ce que deux langues, en dehors de la masérité, en dehors de l'arabe. 14 siècles, on n'arrive pas à maîtriser la langue arabe. 130 ans, au français, on n'arrive pas à maîtriser la langue française. Et on a rajouté la langue anglaise, Allahu Akbar, comme disait Cheb Shemsou de Naha. Revenons à la pédagogie. Voilà les stratégies, voilà la finalité de la pédagogie. La finalité, c'est une meilleure qualité et une meilleure visibilité. Maintenant, la visibilité, moi j'en suis sûr et certain qu'on peut le faire à travers la recherche scientifique, pas à travers nos programmes d'enseignement. Parce que nos programmes d'enseignement, si par malheur on les met sur la plateforme Moodle, les gens vont nous dire, mais d'où est-ce que vous venez? Je trouve économie à Constantine, économie à Bjeria, économie à Steff, économie à Blabès, économie à Tindouf, sciences politiques à Tindouf, sciences de l'océanographie à Tamrast. Bon, arrêtons ici. Mieux vaut arrêter ici. Voilà la stratégie que je veux que vous fassiez devant la présence de vos étudiants. C'est comment? Deux questions, pas plus. Parce que vous ne pouvez rien faire sur le plan pédagogique, ni sur le plan didactique, ni sur le plan scientifique. Je voudrais tout juste que vous appreniez à lire, je dis bien à lire, l'anthropologie de la société algérienne, la psychologie générale, la psychologie de l'adolescent, et un peu de pédagogie et un peu de didactique, et vous faites une immersion énorme dans votre contenu, dans vos contenus, ce soit en littérature française, littérature anglaise, parce que nos étudiants maintenant, avec Monsieur Google, ils passent voir le cours chez Washington ou là chez Tokyo, et ils disent que le monsieur, finalement, il est nul, l'enseignant. Ou là, elle est nulle. J'en ai vu des cours qui sont magnifiques, fait Washington, ou fait français, ou fait l'anglais. Donc, il faut faire une immersion profonde dans vos contenus. Il faut qu'ils soient à jour. Il faut qu'ils soient à jour. Dire comment s'asseoir en moins de 2 heures, je dis bien 2 heures, chez soi. Je sais qu'il y a des gens qui ont 9-3 F2, ils ont une cuisine. Là, sa femme est en train de préparer quelque chose. Il fait un cours. Il le fait d'une manière sereine, logique, juste pour sa conscience. Moi, je ne parle pas de haram halal. Moi, ça ne m'intéresse pas. Juste pour ma conscience. Je dis qu'aujourd'hui, je vais apprendre à mes étudiants comment passer du passé simple au passé, un autre passé, qu'est un passé conditionnel. Allah yarda alik. Vous voyez que je suis très faible. Du passé simple au passé composé, au passé simple. Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les éléments qui puissent me permettre de transmettre, qu'est-ce que je dois transmettre, et quels sont les éléments que je dois transmettre pour que tout le monde me comprenne, et comment faire pour faire sortir moi j'ai fait un labyrinthe d'informations, comment dois-je faire pour faire sortir tout le monde sain et sauf le labyrinthe, et ça c'est de la didactique. La pédagogie, qu'est-ce que je dois donner, comment faire pour les faire sortir, et je viens donner mon cours. Maintenant, ils ont compris
Mabrouk, parce que je sais que dans le maximum, j'ai la conscience tranquille. Ils n'ont pas compris, j'ai la conscience tranquille. La meilleure des choses, c'est avoir conscience en mes capacités. J'ai fait ce travail, je l'ai fait personnellement, je l'ai fait logiquement. Les gens n'ont pas compris. Allah, il s'arrête à la commune. Merci beaucoup, mes amis.